justement cette fête historique sur fond d'incertitude dans le Nord Kivu, dont une partie est occupée par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda face à la politique gouvernementale qui vise à mettre à disposition de l'armée les moyens conséquents pour que le FARDC reprenne toutes les zones sous occupation. Vous avez certainement suivi le président de la République, Félix Tshisekedi, à cela qui n'a pas congolais, n'a occasion et à 64e anniversaire. Le 4 janvier 1959, des émeutes éclatent à Leopoldville après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Alliance du Bas-Congo, Abaco, de manifester. Cette révolte populaire va durer 3 jours. La répression est très violente. Le bilan officiel est de 49 morts. Mais d'autres sources, notamment celle de l'Abaco, parlent de centaines de morts. L'implication majeure de ces révoltes, vous le savez certainement, a fait que Mokamingi, Lukaki Indépendance, Pirodwana, principalement Afrique à Nord, selon Otobengi, Mokoya Bandukwa, Vandana Abiso Mingo, professeur Léon de Saint-Moulin, Égypte, Grande-Bretagne, colonie, il y a Grande-Bretagne, Mingi, le col d'Égypte, en 1959, France, Maroc, et Tunisie, en 56. Justement, alors, dans Makambwana, il y a eu vraiment des répressions en 59, vous le savez certainement, pour que finalement, le 30 juin 60, tous soient indépendants de Nabissou. C'est vrai qu'il y a eu deux morts. 64 ans après, nous allons faire une projection. Robert Alissou Nabissou, Lelo, Congo démocratique, notre pays, vous le savez, j'ai dit tout à l'heure au début. On est agressé de l'extérieur. C'est vrai qu'à l'intérieur aussi, il y a des problèmes. Vous avez suivi Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, dans ses propos, à l'occasion et à 64e anniversaire, il a appelé le président de la République à réunir les Congolais autour d'une table sous la bénédiction de l'évêque Asenko. Nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Est-ce, 64 ans après, le politique congolais est-il véritablement mature aujourd'hui? Sommes-nous prêts à faire face aux difficultés, notre problème à nous, résoudre ces problèmes sans faire recours à l'étranger, à l'extérieur, notre grande question de ce matin. Bandeko Balandi, nous sommes contents de vous retrouver très nombreux ce matin. Vous étiez très nombreux également à nous appeler. Nous étions absents justement pour une semaine. Nous voici de retour. Nous vous disons merci de l'intérêt que vous ne cessez de nous accorder. Vous nous accordez à votre radio. Vous pouvez également nous suivre sur votre chaîne YouTube, c'est Yves Alec Officiel. Puis na Radio Liberté Kinshasa Web, na Play Store, il suffit de télécharger Ralik FM, Olandi Bisso, en ligne, à temps réel, à travers le monde. Ralik FM, téléchargez sur Play Store et suivez-nous à travers le monde, à temps réel. Nous avons le plaisir dans ce studio, ce matin, de recevoir pour vous, mon collègue a invité, Nabisso Tuzane, dans Gungayoso, nous avons voulu le rappeler ce matin pour vous. Il s'agit de Maître Zorobabel Moulong, Adalé président national et à parti politique Mouvement pour la libération du conscience, MLCO. Nous avons voulu nous entretenir avec lui ce matin sur la conscience véritablement des Congolais 64 ans après, qui est tirée des leçons de combat de nos ancêtres. Est-ce que nous avons pérennisé ces combats? Est-ce que nous l'avons protégé? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Ces ancêtres sont fiers de nous, de là où ils sont. Voilà. 82 33 33 749. 082 33 33 749. Voilà le numéro à standard. Beaucoup benga, beaucoup plus à Makanisi Nabino. Beaucoup Koumenabiso, beaucoup Kabouenabiso Makanisi Nandila Yamitouna. Puis il y a ma proposition Nabino. Donc, à tout ça, Kanabino chaque fois. Voilà. 82 33 33 749. Voilà le numéro à standard Nabino. 64 ans après indépendance Nabiso. Quelles leçons tirées à combat combat. Aujourd'hui, nous sommes venus véritablement un pays mature, 64 ans après. Mouta Komo Koma quand même Mobangé, 64 ans après. Est-ce que nous sommes matures aujourd'hui? Si tout le plan. Voilà. Maître Zorobabel Moulong, Boni. Voilà mon décor. Est-ce que mon Abissou est un bon atongo à l'élo? Boni, santé à parti politique naïve. Parti Zali Malam, on a kanisi le lengo moninga et moko, président national. Azali, mais le langue parti paysali. Quand on est parti politique, j'aimerais pas entrer dans le détail. Succession à parti, vous avez succédé à votre papa, qui est encore en vie. Hein? Bien entendu. Il a quel âge aujourd'hui? 95 ans. Presque. 95 ans. Oui. Bruno Bukassa. Bruno Bukassa.
Mbamvu Sebanjil. Un des pionniers de l'indépendance. Un des pionniers les plus marquants pour avoir été à la table ronde politique, la personne suppléant de Lumumba. Justement, Yaronte Ngobet et Absolu Soumnango. En quelques mots, votre parti fait aussi un des vieux partis, malheureusement. Mais Pekoni, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas de député, les lots 64 ans après, vous avez dit tout à l'heure, papa, on a 5 ans. Lumumba aurait dit avoir quel âge aujourd'hui? Sois un avis. Sois un avis, 98 ans. Hein? 98 ans, peut-être 99. Voyez, Baza quoi similer Mboula Naye autour de l'an 27, 1927, 1926. Et votre papa 28. 1928. Oui. Aujourd'hui, le document officiel, c'est 1930, mais en réalité, c'est 1928. Est-ce qu'il est encore actif, Lélo? Très actif. À part on les a créés dans l'indépendance de la mission. Balumumbiste au départ, Bazalaki, nationaliste. Les gens qui voulaient effectivement de l'indépendance totale, indépendance politique, mais couplée de l'indépendance économique, et cela sur pied de l'indépendance spirituelle. Donc, papa, quand ils se sont rencontrés avec Lumumba, et le Kwaliboso Lumumba parlait de ce qu'il a vu dans Accra, de ce qu'on lui a parlé dans Accra, de ce qu'il a tenu comme discours, du point de vue politique. Et Moutassaki, c'est que Lumumba a dit, Lumumba, j'ai trouvé quelqu'un qui parlait comme vous, mais se basant sur la spiritualité, sur la Bible, l'indépendance spirituelle. Donc Bruno Bukassa, et c'est lui qui est allé à la table ronde à Bruxelles pour chapeauter au départ la table ronde spirituelle. En remplacement avec Lumumba. Non, Lumumba avait une mission qu'il aimait beaucoup plus, c'était la politique. Mais la politique spirituelle, Lumumba n'y était pas. Ça veut dire quoi la politique spirituelle? C'est-à-dire que Bakoko Nabiso, Tata Nabiso Mingi, avant l'indépendance, ils avaient compris que le christianisme était une religion où il y a qui juste pour na ko contrôler l'esprit africain, comme ça, pour dompter Bango, pour te Bango, pour régner dans le Bango, Bazoa, ou le Bango, parce que Bango, pour ça, en leur demandant d'aller régner au ciel. Et Nakatia Mbrugliouana, il y a eu beaucoup de mouvements de contestation politique occidentale. C'est comme ça que vous avez par exemple le cas de Kitawala, le cas de célèbres comme le résistant Kimbangu, vous avez John Marang, vous avez beaucoup de gens qui ont emboîté les pas de Kimpavita, de beaucoup de gens. Au Bazalaki, Kubunda, Pona, Bonsomi, Yamwana et Africa. C'est ça d'abord la première question. Et l'air de Bundi, et que vont y a indépendance, et Bazalaki n'a pas posé à Kozoa indépendance. Total, ni koloba, tozu li panda sur le biso moko to komi ba chef de l'État na mboka na biso. Kasi na ki chef de l'État toza kozoa, tozali en même temps na même mise na économie na biso na kita mboka na biso. Et là toza na même mise na kita na mboka na biso, to impose na kati mboka na biso, ko banga ya nzambe o ya biso to bengi yawe. Et d'ailleurs à ce sujet, na ko rappelé ba peuple mamouke, ce que nazali comme kako tout à tout le kena le bas, et zaponangaï mokote. Na 1981, nazapena nous novice, na armée, première classe, na koutanaki na manifestation,
ya Yahweh moko de manière physique na lalite na zolo tate ndenge nazali na yo boye tokutana kutana na ye Yahweh apesinga kombo na Yahweh yenda ye ko de baptize ngai komo zake nango apesinga kombo ya Zorobabel ezaka Yahweh moko tango apesinga kombo ya Zorobabel apesinga mission kende kwepsa na bande kono nyoso Nga yawe nazali tata na bango pe mukeli na bango. Et pour preuve, et comment maki, ou et comment manakata mukanda ya na Bible. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais ou ya lobaki lobawana, beaucoup d'appelés, peu d'élus, a tkala kope sa sin distinctivité. Mais à toi Zorobabel, kende kwe psa bango. Ou yo nyo sonzele a ma boko nezo kuma lettre M. Wana bazali bapona minangai uta libuma bamama na bango ute bandeli ya mokili. Ça veut dire que vous pouvez tomber na poule ya mabe, vous avez un chef de l'état za la marque na bisote. Mazanyoka. C'est le cas de Tshisekedi? Non, le cas de Kagame. Azana MT. Azakana MT. Ibe azana M. Donc. Ya azana yango. Mais ya c'est Kagame zanini. Non, ça a ce qui n'a forme à compagnie à Katalibok. Donc ça veut dire que Noka. Non, ils avaient une imagination, Théban. Imagination, c'est une vérité. Alors, le président de la République, vous l'avez suivi, ce qu'il dit, s'est adressé aux Congolais le 30 juin dernier, c'est-à-dire samedi, il a abouti la soirée à samedi, puis pour le coma dimanche 30 juin. Oui, chaque mois, le 30 juin, le ministère du Travail il a déclaré chômage payé. À l'occasion du 180e anniversaire, le président congolais a regretté, a déploré justement l'agression toujours rwandaise au Bakusteni, Barabela 23, Bibi Asolo, Kayabayonga, et Nord Kivu, et Zaki Bongo, sous contrôle de l'ennemi à la République. Et vous avez suivi également le président de la République qui est revenu sur l'appel à la mobilisation générale, au lundi. Tout le banan en termes politiques, soit 50 ans après l'indépendance d'Abisso. Parce que c'était hier, qu'est retenir dans l'effort où tout salut le lot par rapport à où Bako Kobatiki l'Abisso, le coup là, comme fouillé à combat la Bangou, indépendance au Tosuak, au Tosuak, au Tosuak, au Tosuak, au Tosuak, qui s'est passé à Kayobayonga, à Kayini, au village d'ici de Lubero, ainsi que dans le territoire de Kuturu, de Niragongo et de Masisi. Constitue une agression flagrante contre une souveraineté nationale. C'est vrai que la souveraineté est la souveraineté nationale, la souveraineté qui est pour la mission, pour la mission, tout ce qui est tout accéder à la. Mais est-ce que aujourd'hui nos ancêtres sont-ils fiers 64 ans après, quelles leçons tirées il y a combat, il y a la politique de la mission pour la préservation justement, ou pérennisation, il y a l'effort et la mission. Merci, bonheur Nzinga. Nazali, vraiment sidéré. Pourquoi vous voulez mêler les ancêtres dans cette importance? J'aimerais parler des pionniers à l'indépendance d'Abisso. Vous avez cité votre papa. Je suis tenté de citer tous ces gens qui ont combattu. Maurice Polo, accompagné à Lumumba et tous ceux qui ne maîtrisons pas, tous ces résistants également qui ont apporté leur appui pour leur toujours indépendance. On l'a reconnu à Oxmo Kimbangu, entre autres. Méritoire. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prendre la situation de façon globale. Bon, moi, je situe toutes ces déclarations dans le cadre de Jérémiade. Si ce sont des Jérémiades, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi on est là, on est un homme, pourquoi? Parce que le Rwanda a dit clairement, nous devons revoir les frontières, ça veut dire la désambition. Le Rwanda l'a dit. C'est pas le Rwanda, le président rwandais. Un pays c'est quoi? C'est pas des jérémiades. Est-ce que le président a pris la décision de convoquer rapidement le Parlement réuni en congrès, de faire une déclaration de guerre? C'est ça son rôle.
Ce n'est pas de pleurnicher. Est-ce que vous voulez parler au président? Mais je m'adresse au président de la République, n'a pas à pleurnicher. Ce qui a commis qu'on est les bons obisso. Il n'a pas pleuré. Vous parlez de l'Union sacrée. Je ne parle pas de l'Union sacrée. Mais vous êtes de l'Union sacrée. S'il vous plaît. Là, vous parlez comme Congolais, comme président parti. J'aimerais que vous précisiez la casquette aujourd'hui. Non. Parce que quand vous intervenez. Je ne suis pas membre de la démagogie politique, messieurs. Je suis envoyé de Yahweh, un messie en RDC. Le MLCO, c'était MLC en 94. Nous n'avons jamais fait de la politique de la démagogie. Et je ne soutiendrai jamais qui que ce soit dans le mal. Qui est dans la démagogie? Alors, je ne parle de personne, je te dis que nous sommes un pays de traîtres. La trahison va du sommet de l'État jusqu'au dernier soldat. Là, c'est au niveau de l'armée. Je te dis que le général Chitembo allait être tué. En pleine ligne à front na Kanyabayonga. Avant comme Kanyabayonga na parc. Ma côte sieti, na kata siège, heureusement, Azana nous jeune, comment il a compris na Bajewana, ayez comme Manakati. Il allait être soit abattu, soit Bakangé na otage. Trahison. Un chef de l'État qui travaille avec des traîtres à tous les niveaux. Même dans le cercle privé, là, il est trahi. Parce que maintenant, là, on fait appel aux mercenaires. Bon, quelqu'un a parlé, quelqu'un a déploré le fait qu'il y a eu, bon, tout le bas, la sécurité même du président public, vous avez suivi avec le tentative à coup d'État marqué, mais le problème n'est pas à ce niveau aujourd'hui, 64 ans après. Vous pensez que la politique n'abissait, tous ces gens vous citez, ne sont pas à la hauteur à pérenniser. Il faut un bateau, Babunda, qui porte toujours l'indépendance. Vous avez entre autres cité votre papa. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand vous tournez les dos, quand un peuple tourne les dos à Yahweh, même son chef de l'État ne fera rien. Mais au moment où Bakendo confirme Boka, Bakendo confirme Boka, maître Zéro. Quand vous dites des choses, il ne faut pas vous rappeler que récemment, il y a eu toute une messe, vous venez à Benga, qu'il était une messe action de grâce. Oui, c'est Makina, dans la salle des martyrs, au papa, le révérend Dalo, je sais pas, Dalo, oui, non, c'est pas Dalo, le révérend, celui de Philadelphie, avait dévoilé à Saint-Exam, a pini, où il y a ce barreau, le cabaret, il y a Bambon, il y a Moukouzi, il y a Mbouka, et aussi les présents de se faire entourer des personnes intègres. Où en est ce qu'il avait essayé de dire ou de proposer? Aujourd'hui, c'est zéro. C'est zéro. C'est-à-dire que la religion en Afrique est apolitique. Parce que la majorité de ceux qui se disent Bangangazambe, ce sont des menteurs. Quand vous êtes en train de prêcher aux gens d'aller vivre au ciel, messieurs, sois sérieux. Laissez se laisser de Yahweh. L'homme doit régner sur la terre. Après, quand il meurt, c'est fini. Ce n'est pas fini, c'est l'esprit qui va aller soit en enfer, soit ce qu'on peut appeler entre guillemets paradis. Mais la chair, l'homme, ce n'est pas l'esprit. L'homme, c'est l'ensemble de l'âme, de l'esprit, de la chair. L'homme, c'est la personne qui a un état civil. L'homme, c'est la personne qui a des responsabilités dans la société. C'est à l'homme qu'on demande d'assainir son environnement. Quoi, les terrestres, mais spirituel. Comment? Il y a aussi. Moi, tout mon co. Yezo, y'a bangou, baza, ko sambe, la lume, la moni. Batouniye. Kassio, le bébé, son alo, la connaître au quel point, la convivre. Ce qui se coye, moi, sur Azala, qui a mis bali sambo. Y'a pas à koufi, mi bali bakoufi. Mon colonna, yo, anabat, bakozong. Azala, moi, si anani. Qu'est-ce que Yezo a répondu? Il a répondu clairement que Bouama, elle était. Mais nous sommes moni moto qui fait assez na sexe. Sexe c'est la gata. Donc c'est pour vous dire que c'est de la poudre aux yeux. Un homme sérieux se bat pour d'abord son indépendance physique. Se bat pour sa terre. Nous ne devons pas comme ça. Tout ce qui va bien au Kenya. Ce que moi je demande au chef de l'État, c'est pas un
un tabou, c'est pas un péché. Ce n'est pas de l'injure. Mais vous êtes ce n'est pas de l'outrage. Je demande seulement. Je demande. Pourquoi ne pas faire des propositions à l'interne? Comme membre de l'Union sacrée. À l'interne où? On les a déjà donné le pouvoir. On a été servi pour comme des marchepieds pour avoir le pouvoir. Qui s'est déjà intéressé? Bon, Bazar a pouvoir. Ils sont si importants, ils peuvent parler. Ou bien voilà le temps de réunion qui doivent pour vous contribuer. Non, naturellement, à mon côté, tout ce que je demande au loin, au travers de votre micro, pour n'accorder ma sincérité à chef de l'État, il doit convoquer rapidement. Un dialogue? Non. Mais dialogue pour faire quoi? Quand vous parlez de dialogue, je vous... Déclarer la guerre contre le Rwanda, ça c'est l'affaire. Vous allez comme un boca. Et c'est le commandement de mon côté, c'est que vous avez une union sacrée, vous avez une union sacrée, vous avez une union sacrée, vous avez messieurs. Toujours faire appeler. Et puis, il y a une bise qui est comme un lobby, moi, je suis comme un m'appeler aussi, pour comprendre. Est-ce que Fayoulou a raison? Parce que vous dites, il faut convoquer à Benguer. Non, mais justement, on ne peut pas aller Toko qui est surtout à diviser na interne. Il n'y a pas question de division ici. Fallait lui appeler justement les présents face à la situation. Fayoulou, c'est qui encore? Fayoulou, c'est qui? C'est lui qui a le pouvoir, c'est qui? C'est ce qu'il dit. Fayoulou a une parcelle de pouvoir pour mais tout à l'heure, tout à l'heure qu'on vous associe pas même au sein de l'Union sacrée pour avoir vos points de vue. Mais pourquoi ne pas associer d'autres Congolais? Non, mais les associer dans le commandement? Sois sérieux, monsieur. Non, mais justement, mais tout part de là. À moins que ce soit des rebelles ou des traîtres. Mais on doit être unis à l'interne. Non, problème est allé qu'on n'a aucun été. Le problème, c'est que nous sommes un État organisé. Malgré certaines faiblesses, pouvoir est un pouvoir. Pouvoir est un pouvoir. Et un pouvoir, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les institutions. Et la constitution que tu as en main dit qu'en cas d'agression, le président, lorsqu'il est conscient que c'est tel est le cas, il est à Kobengisa. Parlement, réunion congrès, on va lever l'option sur la déclaration de guerre. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que moi j'appelle le président de la République à la date d'aujourd'hui. Ça c'est de un. De deux, dans l'année absolue. C'est que tu n'es pas encore en train de capitaliser. Le Rwanda, d'abord, Masisi Yangomoko. Et ça dit, il faut le Rwanda. Maintenant que Masisi, déjà, c'est ma boucle à Bango. Routou, ma boucle à Bango. Kanyabayonga, ma boucle à moi, j'étais soldat au Nord Kivu. Vous avez passé combien de temps? Pas plus de 10 ans ou 5 ans. Kanyabayonga, c'est au centre. Donc, Bazou, ma périphérie, c'est au centre. C'est-à-dire, ce qui Bazou n'a centre, ma gagné, Yonso. Va gagner en même temps dans le parc national. Oh, nous ne pouvons plus générer des recettes, il n'y a pas quoi. De quoi vous voulez me parler? Moi, je suis Zika, moi, je suis Bela. Et moi, je suis Babel. Il faut la teka, la teka ma belle. Voilà la tiki dit. C'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, voilà, moi, ça veut dire. C'est ce qu'il dit, c'est le moi. Non, c'est que dans un c'est que dans le président de la République. Mais vous faites allusion à quoi c'est un pays une forme de. Ça, c'est un adage Kanyoka qui dit l'air moi n'a zobéla, il faut nous protéger ma belle. Pour ceux qui moi n'a koufi, oui, parce que Kundaye. Tu vois les Hutu, Batambana Bibembe la Moutou. Baba Kerska Kundangote. Bibembe. Et bah, quand tu as la moto, tu RDC sous Kabila. Alors, qu'est-ce qui nous fait payer tout ça? Nous parlons d'une guerre d'agression, 64 ans après l'indépendance d'Abisso, parce que le président l'a dit, le président Fayoulou également l'a rappelé, Moïse Katumbi a parlé de questions d'injustice,
a déploré l'arrestation arbitraire. Il dit mais la situation elle est alarmante dans la CRDC. On n'en tient pas compte. On continue à faire fléchir des politiques, des opposants. On arrête Kabound, Bakangi, Gloria Senga, ça c'est Katumbi, Alibi, Bakangi, Mukebay. Tous ces gens-là sont détenus. C'est ce qu'il dit. Ne voit pas les priorités aujourd'hui qui semblent être l'unité à l'interne et tourner contre l'agression. Oui, mais na kopesa exemple mokomke Faure Gnassingbé, président de la République, après le décès de leur père, son jeune frère, propre, même mère, même père, il voulait faire une sorte d'opposition. Bakanga à côté prison. Le pouvoir n'a pas d'âme. Jusqu'à ce qu'il s'est rétabli, à comprendre que c'est le pouvoir, ce n'est pas la famille. Non, écoutez-moi bien. Allez-y. Kabound n'a rien à voir avec le pouvoir. Non, n'a rien à voir avec l'insécurité à l'Est. Le pays est divisé. Non, non. Le pays n'est pas divisé avec les actes sociaux ou sociopolitiques. L'air n'a rien à voir avec le carré minier. Puisque ma troisième est le carré minier. Ça n'a rien à voir avec la sécurité de l'État. Ne mêlez pas Kabound dans ça. Kabound, bisounion, soto condamné qui. Est-ce que Kabound n'a rien à apporter aujourd'hui sur la terre de la contribution? Même vous, maître Zobabel, aussi, on peut faire appel à vous pour donner votre point de vue. Vous venez tout à l'heure de nous révéler que vous étiez quelque part un militaire. Vous avez servi sous les drapeaux. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire parce que vous êtes politique, on ne peut pas vous associer? Peut-être que qui sait? Tous ces gens-là peuvent avoir une idée à apporter. Et quand Katumbi appelle à la mobilisation de tous, à l'unité, Fayoul appelle le président à appeler tout le monde autour d'une table sous la médiation de l'Église catholique. Essayons de discuter à l'interne et trouver des compromis. C'est l'Église catholique qui nous a détruits. Vous devez être très naïf lorsque vous revenez à quoi l'Église catholique. Tout le combat que nous avons eu, la grande traîtresse, c'est qui? Trois à qui n'a pas l'indépendance. C'est qui? Non, ne revenez plus sur ça. Moi, je crois que même la Chine a dû obtenir son indépendance. Même les évêques chinois ne sont pas liés au Vatican comme c'est le cas chez nous ici. Ce que nous nous disons est très simple. La distraction, ce n'est pas la minorité des hommes politiques que vous êtes en train de fustiger aujourd'hui. La distraction, ce sont des églises de réveil. Ce sont les églises, de manière générale, avec un enseignement qui ne cadre pas avec le nationalisme. Aujourd'hui, on était en train de... J'ai suivi des vidéos, Bazali qu'on condamnait Mouzé parce que Alobaki Kemutifa. Pourquoi les enseignements du christianisme? Non. Bissonioso, qui avons fait l'armée, on est arrivé à la conscience que il faut passer maquila na yo pour n'amboka na yo. Ceux qui meurent au fond ne sont pas différents de qui que ce soit. Alors, 64 ans après, qu'est-ce qui nous fait payer tout ça, selon yo? La guerre d'agression, elle est venue de l'extérieur, du Rwanda principalement aujourd'hui, tout le bas que la communauté internationale de façon globale nous a certainement après fouillé à effort pionnier, on a eu l'indépendance, mais aujourd'hui on ne veut pas nous laisser, c'est parce que nous sommes peut-être un pays riche, mais M. Bakoloba, où il y a une autre motivation. La motivation c'est que nous sommes encore des chrétiens, c'est le christianisme qui est à la base de tout ça. On est aveuglé? On est aveuglé par le christianisme. Oui, mais le christianisme est une arme qui a été créée dans des officines de sécurité occidentale, des impérialistes. Comment faire pour maintenir notre esclavagisme? Quand vous prenez la Bible que nous avons en main, na Mokanda Ezekiel, Motomwindu, et Sengela qui a comme la source de Nango, dispersé, à Keboumbu, à Salignoso, va réduire à zéro. Mais à un moment, 40 ans spirituels n'a plus ce qui Ézéchiel 29, versets 13 à 14, Tokozoa liberté. Mais quand il y a des Égyptiens, comme on les appelle, les gens ne savent pas aujourd'hui. Une grande communauté africaine
de l'Afrique de l'Afrique centrale, bazali bayuda, les Égyptiens antiques, les Aba Congo. Après la désertification de l'ancienne Égypte, l'ère tout seul du mouvement migratoire, on est venu habiter ici. Et quand vous prenez Ésaïe chapitre 19, verset 25, on nomme trois peuples messianiques. Israël a déjà son Messie, c'est Jésus. Il faut l'appeler bien Yahushua. Islam, c'est l'arabe. L'arabe a déjà son Messie, c'est Mohamed Wasulullah. Et l'Afrique, qui est son Messie? Le Messie africain habitait sur un protocole d'autoproclamation. Doit s'autoproclamer. Et je t'ai dit, depuis, la seule personne qui s'est autoproclamée être Messie de l'Afrique, c'est Zorobabel Moulang. Peut-être par ignorance, certaines personnes, par orgueil, ne veulent pas comprendre et revenir à la raison. Justement parce que vous n'avez pas une église. Non, ce n'est pas un problème d'église. Le problème, c'est que la question messianique est une question politico-spirituelle. Ce n'est pas une question sociale. Partenaire de la politico-spirituelle. Le cas de Bundu Djama Congo, Bundu Djama Yala. Non, on a dit qu'il y a un mysticisme. Surtout, vous allez côté que, à part retour à Yahweh, à la crainte de Yahweh dans cette société, on vivra plus que ça. Alors, vous allez continuer à avoir l'ombre de Tshisekedi dans tous les dossiers. Non, il n'est pas un dieu, c'est un homme. Alors, Maître Zorobabel, 64 ans après l'indépendance Nabisso, je posais la question de savoir le rôle de la politique Nabisso pour préserver le combat Yabakoko, combat Yabakoko, indépendance Nabisso, accession à la souveraineté nationale et internationale. 64 ans après, qu'est-ce que nous sommes véritablement des politiques matières? Parce que vous déplorez ici que le président Tshisekedi, il est mal entouré. Est-ce qu'on n'a pas des politiques conscients de la situation? Je vais te donner un exemple. Les mouvements qu'on appelle des églises des Noirs sont pimbénisés. Vous connaissez le concept. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir droit de citer. C'est qu'un droit de citer, c'est qui? Les Rosicréciens, qui est une secte catholique, donc du christianisme. Les francs-maçons, qui est une secte du catholicisme, donc occidental. Les catholiques eux-mêmes, de manière générale. Donc si vous n'êtes pas catholique, vous n'avez pas non plus le droit de citer. Ainsi de suite. Maintenant, quand vous prenez les grands ensembles comme l'église kimbanguiste, déjà à l'interne, il se méfie de faire la politique. Alors qu'on compte sur les hommes intègres pour essayer d'aider le pays au relèvement. N'est-ce pas? Et ces hommes intègres disent Wanaza biloko lokuta. Pour politique, ils auront lokuta. Je suis toujours kenena lola. Vous laissez le pays entre les mains de qui? Le Tchangopemben. J'ai vu un jour Kofi, un simple musicien, à Kekuna, Bazu le Kolanzambe. On a mobilisé tout le monde. Mais Kofi a dit dans le monde, il y a battu Amabe. Mais dans le monde na bango ba moni ye monde la tambe ça veut dire quoi? Ça dit monde ya mokiliti ya otozo benga makambo mokili na makambo zambe. Maintenant façon ba yambele Kofi, mais c'est plus qu'un dieu. Alors qu'on comprendre de ce que vous voulez dire, on veut dire que la politique congolaise aujourd'hui depuis 60 jusqu'à ces jours ne sont pas intègres, ce qui fait que nous ne puissions pas avoir notre envol. Ils sont plus dans cette histoire du christianisme mélangé avec la démagogie politique. Ça veut dire quoi, la démagogie politique? Donc, les mensonges au départ. Les mensonges. Je te donne un cas. Nous savons que Kagame, c'est un chef de poste, moi par exemple, entre guillemets, de la CIA américaine. Et
pour avoir la paix, il faut être en bon terme avec ces chefs de poste de la CIA américaine. Et moi, je me dis, pourquoi nous ne déclarons pas la guerre? Est-ce que c'est parce que nous avons peur du chef de poste de la CIA américaine? Si ce n'est pas le cas, que les chefs prennent de courage. Donc aujourd'hui, vous appelez présent face à la situation globale du pays. On veut dire que au niveau global, autrement, que la situation en Bocanabiso depuis 60 jusqu'à ces jours, c'est l'absence autrement de la volonté politique. Ce qui fait que les politiques ne sont pas conscients de la situation et ne veulent pas prendre les dossiers ou les problèmes, attaquer les problèmes comme il se devait. Tout le banane, il y avait une situation à Est. On devrait normalement, vous avez déclaré ici, faire la guerre avec le Rwanda. Mobutu Lobaki, après moi, ce sera le déluge. Et du vivant de Mobutu, à l'Est n'avait pas la guerre. Et Mobutu, qui était-il? C'était un des plus grands représentants de la CIA américaine ici. Ah, c'est ce que vous déclarez. C'est ce que je savais. C'est ce que je savais. Quand il a essayé de dribbler les Américains et devenir un nationaliste, il a été assassiné. Mais Mobutu a été assassiné. Moi, dans mes études doctorales, quand je faisais les recherches, mes amis des affaires étrangères doivent savoir, parce que le document de la recherche des affaires à Bango, n'a découvert un bureau à Bango, l'affaire étrangère très bien. Sénat belge, Tinda rapport, Mobutu a été assassiné. Cancer, c'est-à-dire cancer, c'est-à-dire poison. Ma piège qui est, au lieu de la brosse à dents, n'a papier hygiénique. Parce que Azaki est trop dur, à Salignoso, Nasukalinga comme un nationaliste. Il fallait l'éliminer. Alors on peut dire qu'on n'a pas les politiques intègres, parce qu'on joue le jeu de l'ennemi, l'ennemi qui envie, Chess Naviso. 64 ans après, on peut dire qu'on n'a pas encore trouvé quelqu'un, mais vu que Mobutu Haï a joué à un moment donné ses rôles. Il y a des Français, il y a Patrick Naviso, mais ça n'a pas marché parce qu'il était déjà dans les systèmes. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, peut-être Kabila aussi, il s'est vu haï pendant la prise de la position d'Haï, beaucoup l'ont appelé, ce que vous savez. Aujourd'hui, on peut dire que depuis sens jusqu'aujourd'hui, on n'a personne. Quand Kabila a dit. Tous les gens ont été au Yakoussa, à Moussa, à Bosembo, n'a pas d'intérêt à ma peuple. Volonté athée. On a Moutouna nos alliés, Moutouna Moko, masse piège. Mais moi, je veux revenir sur un point. Pourquoi Kabila, à un certain moment, du haut de la tribune des Nations Unies, a lobby, je n'exécuterai plus vos ordres. Alingaka Lobani. Après, c'est mon Congo. Alingaka Lobani. C'était pas lui qui gérait. Mais finalement, Monique, ça ne va pas. Alors là, il s'est dit. Ok. L'État, il a une continuité. Moi, j'ai écrit au président de la République, l'air n'a comme elle qui est, Naïbisène de Konanga. Si vous ne mettez pas l'accent sur l'indépendance spirituelle, vous risquez de ne pas vous en sortir. C'est peut-être. Ça commence à. Quand vous parlez, vous oubliez qu'on est à laïque. Non. Ces histoires de chiffon de tout ce que nous avons ici comme constitution, comme quoi. C'est imposé. Constitution, il ne suffit seulement qu'un chef de l'État aujourd'hui, avec cette constitution, prenne le courage de dire nous avons beaucoup souffert, voilà mes propositions. Lui, il peut prendre l'initiative seul, au terme de cette constitution. Il peut prendre l'initiative. Il peut prendre l'initiative. Alors ça a été pointé. Ah, voilà, dossier Moussous. Ça, il y a ça à faire modifier parce que l'initiative est modifiée. Il a modifié ça. Et ça y est, par contre, l'initiative est modification constitution. Mais quand il ça, il y a ça. Modifié quand la place il y a 5 ans, comme à 7 ans. Tu peux être libé là, à modifier. Et à la Nzambe, non. Et ça, les Kambouyans en a été. Ceux qui appellent ma proposition à modification. Dans ma cambo italien, par exemple, Mouibi, ma cambo italien, ma cambo territoire en Abisso, ma cambo italien, sans entendre la Babylon qu'on a. Même la mise en accusation. Même la mise en accusation. Avec la situation, on peut quelque part aussi réfléchir, Maître Zoro, surtout que le Bama cambo Nabosé Mouyonso. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'absence de. Il y a une forme d'impunité qui s'installer dans Boko Nabisso. Depuis lors, on a des intouchables, malgré. Indépendance toujours qui politique, mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. Mais je vous pose une question très simple.
On dit que le sénateur à vie est multimilliardaire. Azumbongo. Azumbongo, justement, bah, rétro-commission. Et sans trace. Hein. Et ça sans trace parce que, yo, PDG. Marché Anzela. Marché Anzela Zandengeni. 100 millions. Au chef, bah, pour ça que 100 millions. 50 millions, yo, exemple, hein? 50 millions, yo, yango. Bundanango. Bon, yo, zwa 10 millions, Bundanango, 40 tikali, sala, boy. Et, bah, tiens, banga. Premier, pose la première pierre. Ti pouvoir, monsieur, côté, écoutez, le banga, ouan, c'est pour là. Allez, qu'est-ce qui va protéger ce que j'appelle Bouzoba? Il y a PEP, constitution. Kangambanga na yo. Il fallait parlement des lobas. Cinq ans après, ce qu'il n'a pas réussi à le faire, vous, comme membre de l'Union Sacrée, vous vous sentez fier? Non, non. Écoute, ne me mêlez pas dans cette histoire de l'Union Sacrée. Sa, mettre ça, vous avez. Mais la monnaie est signée, l'autre est là, Yannine. L'Union Sacrée. Ah, ben, invité à l'Union Sacrée, mon ami. Non, on a vu, mais quand même, tu as invité au local. Il fallait que nous ayons parti, mes amis. Eh, mais écoute, moi, je vais appeler l'Union Sacrée. Mais je me pose une question. Ce qui est déjà plus de trois mois, ce qui n'en est comme Hollande, il n'y a jamais un contact. Nabino, mais il faut vous dire. Est-ce que, si Bagomanga, ou est-ce que l'on a tenu sous Bolati? On ne peut pas une intervention, allez-y. 82 33 33 749. 64 ans après l'indépendance Nabissou. Quel retenir Nawaï fort dire na combat à la politique Nabissou? Je vous ai posé la question. On peut dire qu'on peut en mettre les obabels. La conclusion est que 64 ans après, la politique congolaise, la communauté en maturité, parce qu'il y a absence d'intégrité, absence de sincérité politique, il y a la démagogie politique et tout ce dont vous avez brossé comme aspect sombre de la situation. Mboka, on n'a pas évolué donc. Nous n'avons pas évolué. Je n'ai pas brossé comme de moi-même. Je dis que cela se résume. Na kotia ya Yahweh Mokongo. Le simple fait que tu tiens Yahweh Mokongo. Le président, c'est un chrétien. Il prie beaucoup. Vous savez. Mais les chrétiens. Allez, nous prenons les interventions. Chrétien Zali. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, on est combien de gars Kombonani? Allô. Bonjour, papa, on est en direct dans Radio Liberté Kinshasa. Tout le monde, j'allais dire. Donc, nous allons concrètement, passage à la radio, à une proposition ligne, et que les gens puissent comprendre. Alors, il faut que tout soit véritablement indépendant sur le plan spirituel. Non, la bataille. Par quel moyen il faut que ça va aller dans la claire. Vous aurez à réagir. Attendez. Là, c'est l'heure de. Mongo Isaac va intervenir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour bonheur. Bon retour. Merci c'est beaucoup. Je suis la commune à Kassavoubou. La petite peu partie de Zorobabel Mote. Merci pour nous informer. Bichonnet, Baradier, Ordonnant Mondial dans la carte des hectares. Et vous dites à mon négalobi. Quand on tourne les questions, pour être dit à Fayus, mon vieux Alaki, si tu as un avis sur la télé, mais Alaki, si mon thème a dit pour nous, c'est-à-dire, comme la pousse en attendant, la mousse, son Timba n'a pas beaucoup. Ce bilan, papa, est-ce que pour moi, le monde, 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 une seule solution, et alors, juste pour le monde, 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 le merci beaucoup. Merci beaucoup de couper l'intervention. 82 33 33 749 082 33 33 749. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, de Mitterrand. Oui, la de Mitterrand, la de
33 7 149. Peut-être que Maître Zoro avait été mal compris, il aura le temps de s'expliquer. Pourquoi il a été marqué Fayou comme ça? Allô? Bonjour, Nebo Bonner. Bonjour, Papa Nangaï. Rendez-vous auditeur reçoit ce matin Maître Zoro Abemoulan, présent sur la MLCO, Mouvement pour la Libération de Conscience, donc le BAM 180, Indépendance Nabisso, qui est retenu, il y a fort, il y a la politique Nabisso, après et au combat, il y a Bakoko. Allô, bonjour. Bonjour, M. Bonheur. Bon. Bonjour, Papa Bengap Kombonan. Bon retour d'abord. Merci beaucoup. Ok, vraiment, papa Zéro Rebel, n'a pas regretté, mais un autre n'y est né dans le plateau de Bossinga, la 64e, qui a l'indépendance. On est dans tout le bisou. Et nous, on est dans le bisou de Bossinga. Le bisou de Zana, pour ça, on le va. Madame Bossinga, on va poser un problème tel, tel, tel.
Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Deco. Namasina, toujours au cabinet. Oui, bonheur. Je t'en ai eu matin pour n'en mettre à correspondre pour ce qui est le plus. Apparemment, c'est un abus sur le bavère, avec un truc qui une confusion terrible. Ma camboya soit, ça fait le truc à personne à l'arrivée. L'occasion d'a dit Yahweh, il est de l'autre. Ce qui est à dire Yahweh, c'est qu'il est bâti de l'Aou. Avant la union sacrée. Trois interventions, 30 secondes, 30 secondes. Allô. Allô, bonjour, Rally. Bonjour, papa. Au Benguep, Kombonani. Vraiment, dis-moi, Kombonani, c'est toi, Kouboya, Falou. Maman, attends, les refaits, la côté. Si vous avez analysé la guerre, vous avez analysé la guerre, vous avez dit, guerre, vous avez dit, Wapi. Guerre, vous avez dit, 18 ans, la ville, la zone, vous avez dit, Isaki, RC, arrangement. Félix, nous avons dit, attends, Falou, la côté, les lots. Et vous avez dit, le soir, il y a un national, ça, vous pouvez. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Navez la bandale. Bandale toujours au cabinet. Bienvenue au Canada sur la bande là. Allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour papa. Nana tu na papa. Au Bengi biswa bi papa. Oui, on va pas. Depuis ma tête, les bougies. Oui, on va pas faire mon bois ce qui passe de la go. Hier, oyo na banalise na qui a sans voyer de Dieu. Mais hier tu sous soir de façon en voyer de Dieu. Quand tu pas mon balé, nani azola azote à son mensonge. Parce que yo mon voyer baga tous les deux. Papa no ya baga et tous les jours. Tous les jours, comment ça? Tous les jours, t'es. Et bon, soyez, t'es. Y'a besoin d'envoyer à Yahweh. Y'a besoin d'envoyer à Yahweh. Moi, dans ma maçon, j'ignore sur tes papas, parce que vous avez dit ça. Allô, bonjour. On m'a fini, tu me dis bonne matinée. Je
suis désolé, on sera obligé de nous arrêter. Les retours au caillot diminuent le volume à la zone. Il fallait tout partager les conformités 64 ans après notre indépendance. Et donc pour nous, il y a mon côté. Allô? Toujours, Kayo? Ah, on fallait que je vienne à discours de Fayoul. Je suis de l'Olu, à qui dans tous les sens, elle m'a encore venu nationaliste, elle m'a encore connu le Kagame, elle m'a encore pris gauche à tout droit, vraiment, à qui elle constate. Mais elle m'a échoué qu'il y a 64 ans, merci beaucoup. Allez, on termine avec cet intervenant. Par cet intervenant, on sera obligé de nous arrêter là, parce qu'on a fini. On n'a plus par les temps. Papa Bonheur. Oui, papa. Oui. Merci beaucoup. Papa Nangari, c'est le côté de regretter ma carte. Au moins, dès qu'on a dit que papa Fayoulou, maloboya lobi. Pour ceux qui n'ont pas pu accéder aujourd'hui, je vous présente toutes mes excuses. Vous pouvez toujours nous contacter en privé hein, à travers notre numéro professionnel, les 081 49 41 721, 081 49 41 721. Tous ceux qui nous contactent, toujours on est disponible. Nous allons échanger, on va passer vos messages. On est prêt également à vous recevoir comme invité de notre radio, votre radio, la radio Liberté Kinshasa. 96.8 MHz, votre magazine Rendez-vous auditeurs. Maître Zéro Abel Moulang, président national MLK, Olandri Makanisi Abandeko. C'est vrai que tous obligé à Kata, Bazali, Ebele Bakulanda Bisso, Aumoni, 165 appels maqués. On ne peut pas recevoir tout le monde, c'est vrai que ça est chanté à Mituna, Abandeko Babengi, Makanisi Nayo par rapport à Mituna, Makanisi Oma Pesi par rapport à Mikulal. Nazo pesa merci na bande konyoso na pesi pe merci na yomo journaliste na biso ebe kwa liboso bato mingi balobeli kambu ya Fayoulou comme si ndeko nanga Fayoulou ngana denigre ye mbia za nani na mboko voilà lingala so retirer pe eh na ebite soki na corrigere mais ngana salam sa sudan na ebi lingala Nabilingala malam. On appelle Kozanga Maele parce que déserteur c'est par rapport à une unité. Donc ce n'est pas la désertion. Et puis à l'époque Nabiso, Mobutu autorisation à un certain nombre d'années, vous pouvez aller faire les études et j'ai fait mes études. Alors, dans le Biboye, Tozo Belkambuya, agression au président de l'Ukraine. Ndeska na za koloba moto azali na mbende ya bokonzi na maboko ezali Tshisekedi yenda sengeli kobengisa congrès po a déclarer na congrès ke tozo sala sikoyo guerre contre Rwanda bo yozo yana likambu ya Fayoulou babi apesa makanisite te na toka na te nazo répondre bango sali nga na ignorer Fayoulou te. Mais bango ba kozo comprendre te pourquoi na lingite ba pakola Fayoulou botutu. Ah d'accord. Fayoulou na likambo yo sani. Aza ministre te, aza député te, azali opposant te na kati ya ba institution, azali li banda ya masolo, azali neloko moko te, azali nete. Neloko na zolo ba bo pakola botutu te, botika Fayoulou. Tshikeli akumu na botutu. Non. Makambo ya miyibyo ba komisi mbokati bakende koboto la kanya bayonga, n'est-ce pas? C'est de la trahison. Cette trahison ezali botutu, ezali bosoto. Oui, azan boko pembe, azan homme crédible intègre ne ba lokaka. Non, mutu nyoso azako gérer mbokate,
il n'est pas impliqué dans ça. D'accord. Puisque biloko yo conséquence d'avoir la trahison, trahison veut dire la mort. Ne vous en faites pas. Et ça m'a commis nos hommes naoyo. Il y a comme beaucoup famille dans le Cambodge. Alors, là il y a une gozoa makambo ya minene ya boye na kati ya mboka. Eza ko benga président de la République a zwa décision à senga na parlement va déclarer guerre. Yo lingi failu pe fela loba. Failu ko lobela wapi? C'est comme ça que mon azoloba boti kayé libanda ezali ko papa. Ba biso ki ya du pouvoir ne mangamo se changer. Bon, je pense que au moni football l'air va pas être un terrain au azali banda à comment n'a pas eu erreur n'yosso mais va coûter son akat n'a pas vide n'a pas vide pour hein, il faudra faire ta bouée voilà mais soit va coûter son akat donc et baké aux ans à mettre aux ans moutou équipe gouvernementale basa ban zambété il faut appuyer bango n'habité les ceux qui ont besoin d'information y a bien ce n'est pas la radio ce n'est pas la carte akokene na si c'est que des mbakaye akende pas mbakaye oui non il faut pas dire ça vous allez soulever les bakuta na kanati ce que ba ebani bien azali membre de pesi akala qui ne le sait pas. Il a combattu avec le papa Tshisekedi. Maître Zorobabel, 64 ans après, de quoi nous responsabilité à partager. Oui, Yepé Azali a raison. Mais ça a partagé entre qui et qui? Mission, je suis toujours responsable. Je suis toujours responsable. Moi, je suis venu avec un message clair. Du point de vue spirituel, nous devons chasser tout ce qui est. Le christianisme. Christianisme. Tout ça, bien sûr, christianisme. Non. Nous devons chasser cette histoire. C'est vous qui êtes derrière l'histoire de Constant Mutamba, fondé dans l'association. Non, Constant Mutamba, c'est un ministre. Est-ce que Yahweh l'a inspiré? Ce n'est pas exclu. C'est une autorité. Moutoussou a commis la Bokonzi à cause de la Loutana Bilimana. Il a eu tout pouvoir. Oui. On est allé. Alors, puisque la solution, 64 ans après, conclusion. Moi, j'ai dit ceci. J'ai proposé que Sengeli Tosala déclaration de guerre. Déclaration de guerre contre le Rwanda. Que le président, s'il a peur, qu'il ne voyage plus. Afin d'en amboka. Il fait la déclaration de guerre. Quelqu'un a dit aussi que envoyé Kaka Yabato. Il n'a pas compris. J'ai dit ici que on a le kamwa mboka na koki mboka za kozika mwana za kobela tu ne okoko lo balanga te poza mutu ya union sacré zalaka ka kote ya keza malamu za malamu za malamu non le kamto kango zalia ke mboka zo kende le Rwanda a fait la sauce sur Kinshasa. Le Rwanda fait la sauce sur Kinshasa. Le Rwanda, ayaka pour botte la piso Kinshasa. Les 2 août, Batwabo 798. Ce que le Rwanda a des ambitions expansionnistes. Tout ça qui n'a fait le lobby, tout à la caméra, souhaitez bonne fête et indépendance dans votre pays balé au Linga Lamingi. Bon, on a quand même ici, Ezali Kambo Bolingote. Ezali Kambo, il y a. Le lengue sengele zala. Je souhaite le président de la République. Allez, on a fini. Une très bonne fête d'indépendance. Oui, ok. Et puis ça y est, conscience. Il y a quoi que pour l'indépendance, il doit tout faire à régner. Casquette est sacrée. Nana est bon, non, ils abonnent au thé. Ou y'a qu'on a un signe, baby, ou comme au Kimango. Au lieu que t'es qu'il n'a rappelé aux amours de l'innocent. Bon, on a un problème, t'es expliqué, on déjà va comprendre. T'es, y'a bisa bango, n'a joué bisa bango. Si je ne vois pas clair que je dois dire non, n'a côté qui pas n'a collé à terre. Au Bima. N'a Kobima quand je veux, Moutoua Kanganga Zaza. La charte, je suis président d'un parti politique et j'ai la charte. La charte ne dit pas que. Alors, au tri la moto moko. Na mitu na nani ya oya.
Naza Kopesa, bonne fête et pas à maman Soumino, notre première ministre. Vous salue madame. Hein? Madame Nanga, est-ce que madame Nanga veut exister? Est-ce que moi j'existe? L'indépendance, c'est l'État. Allez, on se retrouve demain pour le deuxième numéro de la semaine. Sauf changement, tu remets à l'issoudou, il y a l'élection à Bourgoumès, il fallait saler, mais c'est limité. Préparatif, il y a Mouza à niveau Nini. Nous allons nous interroger également si l'arrivée du nouveau patron de la commune de la province, ville province de Kinshasa, le gouverneur Dané Bumba, avec tout ce qui a eu, vous avez suivi certainement. Nous vous retrouvons la semaine. Donc, demain pour le deuxième numéro de la semaine, allez-je dire. Maître Zorobabé, merci Moulang. Maître Zorobabé, présence de la MNCO. Merci de la présence d'ailleurs. C'est moi qui vous remercie. Et remercie tout le monde. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion à 20h.